Dans la boîte, ça, on a regardé là. Il y a un produit là-dedans, haïtien relé saumon. Tendez. En général, ça n'a pas acheté dans la boutique, yo, dans le marché, yo, yo pas saumon. Vous saisissez? Nous allons comprendre. Bon, il y a un même qui dit, oui, il y a tout ça dans la boîte, yo, on a mangé un dix saumon, est-ce que c'est pas couleur, yo, bon, là, il faut regarder l'image, ça, la vraie, un petit genre bizarre, ou elle semble avec, hein? Eh bien, on a regardé qui ça a causé saumon, ça y est. Qui j'ai une communauté pis là, c'est Will qui tout ça qui a présenté une nouvelle vidéo. Premier bagage que vous regardez là, c'est sac saumon, pas vrai? Parce que saumon, il existe vrai. Mais avant de nous arriver sous saumon, ça, faut nous garder qui j'ai l'homme à travers l'histoire arrivé mettre produit ça yo dans boîte. Ok, depuis longtemps, longtemps, dans l'antiquité, l'homme était toujours à pêcher. Mais il y a un gros défi que tu as toujours gagné dans qui se pêche ça, c'est pour conserver produit ça pour longtemps. Parce que, bon, dis, chaque jour, on pas qu'à pêcher. Il va cool. Et c'est alors l'homme qui a commencé à développer des techniques pour conserver poisson et l'elfine pêché. Première technique qui a commencé à développer, c'était pour sécher poisson. Après ça, pour passer sous la fumée. Premier poisson qui a fait ça, c'était avec Aran. On a fait vidéo sur la question Aran, ça vous nous déjà. Mais on a bon dit nous, ce n'est pas tout le monde qui aime manger poisson salé, ce n'est pas tout le monde qui a envie de manger poisson fumé. Et donc, il faut que nous ayons l'autre technique pour conserver poisson sous l'autre forme. Et c'est là que nous allons arriver dans le commencement de l'année 1800. Nous allons jouer Napoléon Bonaparte, qui était un empereur en France. Monsieur Pral dit, il est prêt pour le bail 12 000 francs à n'importe quel qui développait l'autre technique pour être capable de conserver poisson produit. Puis bien, parce que dans l'époque ça m'a dit nous là, la France n'a guère avec l'autre pays, y a pas besoin de manger, y a pas besoin de poisson, y a besoin en pile. Donc où est-ce qu'il était conservé yo, qui j'en tape bon bouillot. Et c'est comme ça, nous pas jouer Nicolas Appert. Monsieur va le faire expérience que dès le pas le prend poisson, mais l'autre aliment tout, il va le mettre au dans bocal, fermer yo et puis mettre au dans de l'eau bouillie. C'était première technique pour conserver aliment, pour conserver poisson. Et au considérer Appert ça tout, tant coup papa boîte à conserve. Bon là, technique pour mettre poisson bien pour l'autre manger dans boîte à conserve ça pour capable rester plus longtemps, vinn faire manger pas gaspiller trop. Qui poisson était comme premier à conserver, sécher et fumer? C'était Aran. On a l'air pas laisser Aran sous forme technique ça, forme conserve ça, il pas marché bien, il pas joindre ça au besoin Aran, on a chercher qui l'autre espèce qui gagne là, nous ta capable mettre dans genre de boîte à conserve ça. Et on va le comprendre après, c'est poisson qui gras en pilio qui ca conserver dans forme ça, tant coup saumon est là. En 1824, dans le pays Écosse, il pourrait le premier mettre saumon dans deux boîtes à conserve pour voyer dans l'autre pays Alvan. Mais saumon même, qui ça lié? Eh bien, vous comprenez? Eh bien, famille, saumon, c'est non, il y a un groupe poisson qui n'ont famille, il y a les salmonidés. Ça, on a regardé là, il y a un salmonidé. Ça, il y a un salmonidé. Et puis ça, tout, il y a un salmonidé. Qui donc l'entend de saumon, ce n'est pas un grain poisson, ce n'est pas une espèce poisson, c'est plus passé 10 espèces poissons qui sont différents que qu'on utilise sous nos saumons. Mais ça, en plus, mettre dans la boîte là, il y a le kina. Saumon, il y a le poisson migrateur. Pour qui ça? Et bien, c'est deux poissons qui vivent entre la mer et l'eau douce. Ils passent une partie dans la vie dans l'eau douce et puis l'autre partie à dans la mer. C'est poisson qui est plus populaire dans la question cuisine. Yo remet en pile parce que c'est des poissons qui gras. Pour yon jouer une quantité de saumon pour manger, à qui donc là, faut que vous fassiez élevage là. On me dit non. À partir de 1883, sous fleuve Columbia, c'est plus passé 1700 bateaux chaque jour qui mettaient saumon dehors pour alimenter 39 usines. Côté chaque année, yon mettaient sous marché à plus passé 15 000 tonnes saumon. N'a privé sous Haïti ou après le saumon, talè. Saumon vient produit qui est plus important, il a pêché chaque jour, il a mis dans boîte, on a parlé de saumon. En 1843, dans le bloc Massachusetts, Connecticut, il y a quelqu'un qui peut faire une autre expérience avec une autre espèce. Côté, il peut mettre dans boîte tout, qui est le maquereau. Qui est bien, non, bien, oui, maquereau. En 1927, il y a quelqu'un, George Ogawa, monsieur, il a regardé lui, tout causé à ses saumons, et il a pêché, saumon vient par la drive. Et monsieur va regarder, monsieur a dit, m'bral fon kou à macro. Monsieur va le mettre sous marché à 10 750 caisses macro. Monsieur prend là, il met une boîte, même genre avec saumon, et puis il lague sous marché à moins l'argent.
Et là, monsieur Wal saisi, ouais, tout le monde courit sous yo. Monsieur fait jackpot. Et c'est là que monsieur Wal dit, oh, cause y'a qu'on y a c'est macrolier. Et macroa même, qui s'allie? Les mêmes tout, ils sont poissons. Les enfants misent comme bridés. Et même j'ai avec saumon, macroa, ils sont poissons qui passent une partie dans la ville, dans de l'eau douce, et puis l'autre partie, dans la mer. Monsieur dit, comme saumon, ils viennent, j'en brisanté à la saumachia, nous va rajeunir, eh bien, macroa, au poco, au prêle, n'a prend macroa nous-mêmes pour nous faire bébé nous. Bon, à partir de l'année 1900 ou même, nous allons jouer une quinzaine de poissons qui commencent à mettre dans la boîte. Et c'est les atouts, nous allons jouer sardines qui sont l'autre groupe poisson encore, mais qui pipiti par rapport à macroa ou bien saumon. Kounia est en Haïti. Eh bien, en Haïti, ça nous est dans la boîte. Nous allons consommer, nous allons acheter dans la boutique, dans le marché. J'aime dire nous là, yo pas saumon, yo c'est macro. Mais il y a saumon en Haïti, mais c'est plus dans le supermarché. Ou ap jwenn yo. MDK tan di nou ki sa ki makro. Ki donc sa ki nan boîte rika sa n ap gade la c'est makro. Sa ki nan boîte bougou sa nou la c'est makro. Sa tou ki nan boîte la matin sa ke mina a fait c'est toujours makro. Compagnie distribution sa ki sa ou fait, yo al en Chine parce que c'est là ou fait makro sa ki nan boîte sa n ap gade la, yo al en Chine, yo commande quantité makro yo vle la parce que gen des compagnies en Chine qui fait production sa yo. Après ça, yo prend boîte makro yo, yo passé États-Unis là, yo mette étiquette et puis makro envahi marché ya. Donc premièrement, dans boîte ça on a gardé là, on a acheté produit ça, j'aime dire nous, il pas saumon. Deuxièmement, il pas couleuvre tout parce que gens qui connent fait approche ça. Pour qui ça, moun qui connent fait approche couleuvre là. Raison qui fait gens qui connent fait approche couleuvre ça, c'est parce que do makro même, il y a aspect couleuvre là, on a gardé rayou là. Donc les au fin coupé surtout, yo konn penser c'est quelques bouts de couleur vous regardez Jean Noël là. Mais c'est un poisson lié. Mais talen, mais nous konn wè tout yo mettez poisson ça au non sauce. Mais est-ce ça pour qui ça là? Qui j'a offert? En garder. Pour mettre produit ça au dans conserve, il y a plusieurs étapes yo passer. Premièrement, faut qu'yo fait élevage là ou bien faut qu'yo pêche suivant poisson. Et après ça faut qu'yo trier, retirer bon grenyo, faut qu'yo nettoyer, retirer caille, retirer tout ça qu'en dedans yo. Après ça, gagne étape crucial poisson pour le passer, faut qu'yo cuit li à demi. Yes, poisson nous en boîte yo, ça nous les saumon, j'aime dire nous ça n'a consommer en général en Haïti qui c'est makwa, yo cuit li à demi avant yo mettez l'en boîte là. Donc si vous retirez l'en boîte là ou tout manger, ça va douler. La raison qui fait cuite li avant de mettre dans la boîte là, c'est pour être capable de faire conserver plus longtemps. Parce que vous éliminez un pile bactéries qui la donne. Les poissons fin cuit qu'on va le mettre dans la boîte. Et après ça, dans la boîte ça, vous allez vider l'huile, vous allez vider sauce tomate, mettez épices, zèbres, mettez petit piment, vinaigre, citron, mettez sel, moutarde. J'en ai elle qu'on presse là. Vous mettez yon additif alimentaire la donne, vous allez gomme zantane. Pour qu'a fait le poisse, yo retirer zantane ça dans une bactérie. Après ça, yo utiliser l'autre produit chimique là dans tout, tant que glutamate monosodique. Il a tout pour bailler sauce là un petit goût particulier. Mais yo pas révéler les pièces et problèmes genre de produit ça yo bailler sous commun parce que grand pile monde qui connaît pas sauce ça yo qu'on joine en dans boîte ça yo. Mais c'est dans le cas, ils ont utilisé bon quantité, si ils ont utilisé en excès tout, alors, bon, c'est là le problème, non, va le commencer, cause il va le gagner. Eh bien, soit ça, ou même, ils ont mis dans la boîte là, ils permettent de poisson, qu'il y ait goût, assez en cours, t'es prêt à nous, ou d'y assaisonner, ils vont te quitter là pour le faire un petit temps. Ou après, qu'ils gênent pour venir nous barrer, ils ont goût. Et spécial. Après ça, on prend boîte ça, on utilise un appareil, on ferme bien fermé pour rien pas sortir, rien pas rentrer. Et après, on va stériliser boîte là dans chaleur pour éliminer bactéries pour capable permettre produit à faire plus temps. Après ça, on met étiquette et puis produit à prend marché. Et nous deux connaissons tout qui est important, c'est pas tout poisson qu'on a conservé dans façon ça. Mais dis-nous ça déjà, donc pour saumon, macro, sardine avec quelques autres poissons encore, il est facile pour conserver comme ça. Et puis, il y a une qui te demande tout, est-ce qu'il y a une différence entre eux? Pas vraiment une grosse différence et dans question éléments nutritifs entre deux poissons ça, macro ou bien saumon. Mais sous question goût, il y a une différence quand même. Si manger macro, il y a un même goût avec saumon. Voilà, vous comprenez nous là, et petit dossier poisson ça qui dans boîte yo et pas qui bel beaucoup tout partager pour l'autre monde kawel n'a campé là et pas oublier n'a croisé l'autre fois pour l'autre vidéo dans même façon. Peace.